Yo la team, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va essayer de fabriquer le plus grand slime qu'on peut trouver sur internet, tout simplement. Donc on va essayer de fabriquer ça. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour les 8000 abonnés. On a passé aujourd'hui la barre des 8000. Donc bon, c'est un grand cap, c'est un petit et un grand à la fois. Je me languis vraiment d'avoir les 10000. Donc franchement, merci. Donc on va tout de suite passer aux ingrédients et aux matériaux pour fabriquer ce géant slime de la mort qui tue. C'est parti! Alors pour commencer, pour faire le slime les amis, il nous faut de la colle, mais pas n'importe quelle colle. Il nous faut cette colle, la Cléopâtre. Donc c'est Cléopâtre transparente, elle se trouve dans tous les supermarchés qui existent au monde. Auchan, Cultura, Intermarché et tout. Voilà, c'est cette colle qu'il faut, sinon le slime, ben... c'est pas du slime, tout simplement. Donc pour cette vidéo, j'ai pris 2 litres. Donc 2 litres de colle Cléopâtre transparente pour faire notre géant slime. Ensuite, les amis, il nous faut de la lessive liquide. Donc j'ai pas pris n'importe quelle lessive, j'ai pris de la Xtra. Pourquoi j'ai pris de la marque Xtra? Ben, tout simplement parce que c'était conseillé sur internet. Voilà, c'est tout con. Donc franchement, en fait, cette lessive, ben, les gens, ils ont dit que le slime était beaucoup mieux avec cette lessive. Donc pour 1€ de plus ou 1€ de moins, je l'ai pris. Ensuite, il va nous falloir un récipient. Donc je sais pas s'il sera assez gros celui-ci, parce que franchement j'ai envie de faire un gros truc. Donc ben, on verra bien, au pire ben, on fera en deux fois dans un autre récipient. On verra après. Et ensuite les amis, j'ai acheté un petit doseur ben, pour doser notre slime comme il faut, de millilitres, de centilitres et de litres, pour faire la même dose avec la lessive et l'eau. Donc on va tout de suite commencer à ben, la fabrication du géant slime, c'est parti. Alors avant de commencer, il faut savoir qu'il faut, pour faire un slime normal, il faut 20 cl de colle pour 20 cl de lessive pour 10 cl d'eau. Donc retenez toutes ces valeurs. Donc nous, comment faire un gros, on va prendre ce truc qui va nous servir ben, vraiment en fait. Et on va prendre la centilitre, donc ce côté, et on va faire 50 par 50 en fait. 50 centilitres, c'était un demi-litre. Parce que 100 centilitres, ça fait 1 litre. Donc on va tout de suite commencer par ça. Hop, on prend notre colle et on va verser 50 centilitres dedans. Voilà les amis, déjà là on a 50 centilitres que nous allons verser dans notre bocal pour faire notre slime. Hop, on verse. Après, comme on va faire un gros slime, on remet 50 centilitres. Donc je pense que là, la bouteille, elle y passe. Première bouteille épuisée, on passe à la deuxième. Donc là, on y est bientôt. Donc là, les amis, on a mis 1 litre de colle dans notre saladier. Alors, n'hésitez pas à prendre un truc pour gratter le fond. J'ai pris une cuillère pour gratter le fond. Pas qu'on en perde. Donc après avoir mis notre litre ben, de colle, on nous dit de mettre 10 centilitres d'eau pour 20 centilitres de colle. Donc en gros on a mis 1 litre, donc on met la moitié, c'est à dire 50 centilitres d'eau. Après avoir mis l'eau les amis, je vais mettre un peu de colorant alimentaire pour que notre slime soit ben, d'une couleur. Donc là j'ai choisi jaune. On va mettre 3 gouttes. 1, 2, 3, bon, allez 4. Ah non, mais mis plein. Voilà. Ah, j'ai mis plein de gouttes pour que notre slime soit jaune. Et ensuite, on nous dit de mélanger. Donc, on mélange. Waouh, ça fait beau. Après avoir mélangé, on nous dit de mettre 20 centilitres de lessive. Donc, nous, on va mettre 1 litre parce que c'est pareil que, bah, que la colle. Donc on prend notre lessive et on nous fait et on met 50 centilitres dans notre doseur. Donc là c'est le verdict les amis, j'ai jamais fait du slime. Donc j'espère que ça sera, bah, que ça marchera. Ça sent bon en tout cas. Notre slime va sentir bon. Donc on verse en mélangeant bien sûr. Ouais. Donc on continue, on en remet 50. Hop. Un peu partout bien sûr. Voilà. Les amis, j'ai l'impression que ça marche. Regardez. Ça marche. Oh, c'est génial.
On va finir à la... Il nous dit de finir à la main après. Donc vous savez quoi? On va finir à la main. Ah. Regardez ça. Wow. What the fuck? Ça colle un peu au doigt par contre, je vous le dis. On doit beaucoup mélanger, ce que j'ai compris. Ah mais ça marche hein. Regardez. Donc là ce que je vais faire, je vais séparer parce qu'en fait il y a beaucoup de lessive. Donc le slime je vais le mettre dans ce petit, petit récipient. Regardez, ça marche vraiment. Donc on fait ça, on les sort. On les goûte bien et on le met à côté pour vraiment avoir que notre slime et dégager la lessive qui, a, mais qui sert à rien en fait. Vous voyez ça, c'est, ça tout ce qu'il y a là, c'est que de la lessive. Il y a un peu de slime, mais je vous dis, c'est que de la lessive. Donc ça marche vraiment, regardez. Ça marche vraiment et on en a vraiment beaucoup. Notre récipient avec la lessive sur le côté et on va s'amuser avec notre petit slime. Donc vraiment, regardez tout ce qu'on a. Je sais pas si vous voyez, cette recette elle est vachement simple à faire et elle est super pratique. Regardez tout ce qu'il y a de slime les amis. Regardez, oh my god. Oh putain. Oh c'est trop bien. Encore j'aurais pu en faire un peu plus parce que j'ai encore une bouteille entière. Mais je sais pas si c'est, je sais pas, je voulais la garder pour la prochaine vidéo sur le slime ou quoi. Si j'ai envie d'en faire une, faire des trucs un peu plus intéressants. Donc là franchement c'était une petite vidéo cool à faire, franchement j'ai bien aimé, c'était court et c'était franchement bien, j'ai kiffé. Ah c'est trop bien, je vais le garder, je vais l'enfermer. Regardez-moi ça, il est immense. Oh c'est trop kiffant. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a vraiment régalé, regardez-moi tout ce qu'il y a dedans. Oh c'est un truc de malade, regardez. Oh c'est un truc de fou, il est immense. Il est... Waouh, regardez, boah, un truc de malade. Regardez. En plus, la couleur, elle est vraiment belle. Elle est verte, elle est même pas jaune. Franchement, c'est vachement beau. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce slime, ce géant slime de la mort qui tue. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Anto.